Bonjour, je suis Aurore Lambert, archéo-anthropologue chez VA et chercheur associé à l'UMR 72-68 au CNRS à l'Université de la Méditerranée. Je suis spécialiste de la lecture des empreintes digitales sur les objets archéologiques et grâce à ces empreintes digitales, il est possible de retrouver l'âge et le sexe de la personne ayant touché l'objet, ayant laissé donc son empreinte sur l'objet. À partir de ces données, nous cherchons à recréer une image des sites archéologiques et de leur fonctionnement à l'époque où ces personnes vivaient et ont touché, fabriqué les objets. Il est possible ainsi d'obtenir une image de l'organisation sociale des ateliers de potiers de Pompéi sur lesquels nous travaillons ici et ainsi de pouvoir discuter des questions telles qu'une division sexuelle des tâches, les questions d'apprentissage et des questions de déplacement des individus entre différents ateliers de potiers. Bonjour, je m'appelle André Desmarais, je suis un retraité de la police nationale française, spécialiste en sciences judiciaires et j'apporte mon concours au CNRS, à l'UMR 72-68 de Marseille, dans les thématiques de traces digitales, d'analyse des traces digitales. Et j'apporte mon concours aujourd'hui à Pompéi dans l'exploitation de ce gisement important de fragments de poterie pour essayer de retrouver des traces digitales, essayer de relier les différentes personnes qui ont pu toucher ces objets lors de leur fabrication.